Des moments. Ceci en est un. Celui-ci, ici, maintenant, en est vraiment un. Tessa. Maintenant, tout peut arriver. Tessa. Oh, quoi? Tessa, tu ne m'écoutes pas? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que je viens de dire? Je t'ai pas écouté, c'est vrai. J'ai dit que c'était une soirée importante pour toi. Numéro 1 sur la liste. Il n'y a pas de liste. T'allais en faire une. J'ai pas commencé. Il est encore temps. Allez. Alors, lequel tu veux? Moi, ça me dérange pas. Je veux le blanc. Tu veux le blanc? T'es sûre? C'est lui qui veut. Je t'ai dit que ça me dérangeait pas. Seulement... D'accord, tu peux l'avoir. T'en es bien sûr. Mais... Mais quoi? Si je fais ça avec quelqu'un que je connais pas, ça fait de moi une fille facile? Ça fait de toi une fille en vie. Est-ce que vous deux, vous y allez souvent à ce club? Non. Et vous? De temps en temps. Ah bon? Est-ce qu'on pourrait aller ailleurs? Est-ce que tu veux un thé ou un café? Oui, s'il te plaît, l'un ou l'autre. Ben, il nous reste plus de café. Ah bon? Et je trouve pas le thé. Donne-moi un verre d'eau. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux m'embrasser? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. C'est quoi cette histoire? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? La tête de cette fille m'est restée dans la main. Pourquoi vous riez? C'est pas drôle. Ça m'affiche une de ses peurs. Tu te déguises souvent pour sortir? La perruque et tout le reste? On me l'a donnée. J'étais malade. Et maintenant? Je vais bien. On devrait pas faire ça un peu plus longtemps? Je suis prêt. Attends, peux-tu juste me regarder une seconde? Pour moi, c'est la première fois. Wow, c'est surprenant. Pour toi, ça ne l'est sans doute pas. Arrête de parler. Pas comme ça. Quoi? Désolée. Ce sera pas cette fois. Est-ce que tu ris de moi? T'étais prête à le faire et... Je suis désolée. C'est vrai. Tant pis. Ok. Ok.
jamais. Non, j'y comprends rien. Tu sais, j'y comprends rien, parce qu'avant, tu me disais tout. Non, jamais je t'ai dit quoi que ce soit. Pourquoi ne pas commencer? Dis-moi ce que t'as fait hier soir. Papa, tu me l'as demandé 100 fois, et plus tu le fais, plus c'est charmant. Bonjour, je suis Caroline, la productrice de Richard. On s'est parlé au téléphone. Ravie de vous rencontrer en personne. Et c'est sûrement Tessa. C'est moi. L'ascenseur est en panne. Elle peut prendre l'escalier? Oui, bien sûr. Ok. Tessa Scott et son père. Salut. Bonjour. Je vous en prie. On est ravis de vous rencontrer. On adore ce que vous faites. Super. On va causer, tout simplement. Soyez juste naturel et ça va bien aller, ok? Pour quel angle avez-vous opté? La fille qui se meurt et sur laquelle on s'apitoie, ou autre chose de plus original? Pardon? Tessa. C'est un sujet grave, mais essayons de rester positifs. J'ai aujourd'hui le plaisir et le grand honneur d'accueillir dans mon studio une jeune fille extrêmement courageuse. Tessa Scott. Tessa souffre de leucémie depuis 4 ans. Et elle est ici en compagnie de son père pour en parler. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que Tessa était malade? Il y a 4 ans. Alors, on a pensé, sa mère et moi, qu'elle avait la grippe. Mais cette grippe ne guérissait pas et... Les tests sanguins ont confirmé nos craintes. Les médecins nous ont dit que dans son cas, il n'y avait aucun espoir. Alors à ce moment, Tessa a considéré qu'il n'y avait plus aucune raison de poursuivre sa chimiothérapie. Alors Tessa, vous avez donc choisi de cesser le traitement. C'est une grave décision pour quelqu'un de 17 ans. C'est vrai, mais des traitements plus agressifs n'auraient fait que prolonger légèrement la vie de Tessa. Il y a bien d'autres moyens de la maintenir en santé. Papa. Des études ont montré que l'organisme peut être renforcé par une saine alimentation. Et si nous sommes ici, c'est pour que les gens prennent conscience de... Papa. Quoi? Il va falloir qu'il l'accepte. Accepter quoi? Il sait que ça va arriver, mais il espère que ça n'arrive pas. C'est vrai que la chimio aurait sans doute pu prolonger un peu ma vie. Mais ça me rendait tellement mal. Il y a des choses que je veux faire avant de mourir. Des choses? Oui. J'ai fait une liste. Oh, votre père ne nous a pas parlé de ça? C'est qu'il n'est pas au courant. Presque toutes sont illégales. J'ose pas demander ce que c'est. J'ai presque fait l'amour hier. C'est pas une chose qui est illégale, bien sûr, mais c'était tellement moche que ce gars-là devrait être arrêté. Eh bien, je crois que c'est tout le temps dont on dispose. Ensuite, je compte prendre de la drogue. Vous en avez à me suggérer? Ça suffit. Très drôle. Sexe, drogue et rock'n'roll. Mesdames et messieurs, je crois que vous conviendrez que voilà une jeune fille qui prend la vie à bras-le-corps. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci.
Et maintenant, la météo a ses ventes ce matin, le ciel se dégagera et le beau temps devrait se maintenir le reste de la semaine. Elle est pas là. Non. Papa. Attends. Mauvaise nuit? Ça n'existe pas. Bonjour, les enfants. Salut, maman. T'as l'air stressé. Ouais, c'est sa faute. Je reviens à 4 heures. J'ai appris un nouveau tour de magie. Je peux faire disparaître une pièce. Tu veux le voir? Non, chérie, pas avant le café. Rien avant le café. Fais-la à ta sœur. Elle dit que c'est sans intérêt. Que ça l'ennuie. Je suis sûre que non. Oui, ça m'ennuie. Pourquoi tu vas pas regarder la chaîne pour les enfants? Parce que j'ai 9 ans. Je t'ai entendu à la radio. T'as rencontré un garçon. Alors promets-moi de toujours prendre un condom. Je sais que l'odeur du caoutchouc n'est pas très romantique, mais la gonorrhée non plus. Arrête, je t'en prie. Il va me faire faire une crise de panique. Surtout pas d'aventure d'un soir. Non, non. Non, chérie. Tu dois le plus que tu peux éviter ce genre de choses. Je vais me faire faire un tatouage. J'en veux un aussi. De moi sur tout mon corps, mais en plus grande avec de plus gros seins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un sale menteur. Qui? Scott. Il a dit qu'il avait un stand ici. C'est pour ça qu'on est là? J'arrive pas à croire qu'il m'a fait ça. Il a eu la baisse de sa vie. Zoé. Beau salaud. Zoé. Quoi? Il est là. Salut, mon joli. Quoi de neuf? J'en sais rien. Dis-le-moi. Ou mieux, montre-le-moi. Salut. Oh, salut. Comment tu vas? Bien. Je t'ai laissé en plan l'autre soir et je voulais dire que c'était ma faute. Quoi? J'aurais pu être un peu plus... Il t'a mis au courant. Quoi? Tu lui as dit, c'est ça? Tu lui as parlé de moi? T'aurais pas dû. Tessa, où tu vas? Attends, Tessa. Salut. Je t'apporte ton repas. Je te laisse. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il y a un feu de joie dans le jardin d'à côté. Fais pas ça. Je t'en prie, fais pas ça. Si tu tiens pas à ces choses, moi j'y tiens. C'était en Espagne. T'étais en rémission. Un garçon m'a sifflé et t'as pris cette photo. Pour que jamais j'oublie cette première fois. Ouais. Je vais l'oublier. Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que je peux? Oui, je t'en prie. Je suis Adam. Et toi, tu es Tessa. Je t'ai vu quelques fois depuis qu'on est déménagé et je voulais me présenter, mais... C'est pas des lettres d'amour. Ça me regarde pas. Je veux juste dire que j'ai pas été plaquée. Jamais j'aurais pensé ça. J'ai encore plein de choses à brûler. Cool, tu peux y aller. Au feu. C'est probablement mieux comme ça. C'est une robe dangereuse. Est-ce que ça va? Tessa? Non, non, bouge pas. Je crois que t'as perdu connaissance. Est-ce que t'es diabétique? T'as besoin de sucre? Tiens, bois un peu de ça. C'était vanté. C'est dur de te faire plaisir. À t'entendre, ce serait mauvais. Ok, excellent. Non, ça me gêne pas, ça me gêne pas du tout. Non, non, ça va, c'est cool. J'ai jamais produit un tel effet. Et j'adore ça. C'est un joli jardin. C'est gentil, je l'aime beaucoup. Et ma mère aussi. Et ton père dans tout ça? On est juste nous deux. Je dois rentrer. D'accord, tu veux que je t'aide? C'est pas très loin. Si tu veux venir brûler autre chose. Ou m'évanouir devant quelqu'un. Tu sauras où venir? Oui. Quand Tessa sera morte, on partira en vacances? Cal, c'est affreux de dire ça. Je me rappelle même pas être allée en Espagne. Ça fait tellement longtemps. Et c'est peut-être même pas vrai. Ça suffit, va dans ta chambre. Oh. Pourquoi? Va-t'en. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je trouve ça mélangeant. Ça l'est pas. C'est ta journée. Et ça veut dire quoi? Que je vais faire tout ce que tu veux. Tu vas m'acheter autre chose? Oui. Mais où tu prends l'argent? J'ai une carte de crédit. Avec ça, on paye plus tard. Ou bien, jamais. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Ah, j'aimerais ça voler pour vrai. Ah oui? C'était mieux que la meilleure chose que j'ai jamais faite. Est-ce que je peux y retourner? Je crois que c'est le tour de ta sœur. Ça va, j'ai mieux regardé. T'es sûre? Oui. Elle est malade, elle peut pas faire des choses comme ça. Bon, très bien, alors on y retourne. Je crois que... Donne-moi ça. J'ai envie d'essayer. Prête? Prête! Tessa! Je sais pas si c'est une très bonne idée! Cet argent n'était pas à toi. Elle est en retard. T'as entendu ce que je viens de dire? Elle a promis qu'elle viendrait. Tessa. Veux-tu que Cal retourne tout? Et pourquoi il serait puni? Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que c'est sur ta liste? J'ai pas de liste. T'as dit au gars de la radio que t'en avais une. C'était un con. Ouais, ça c'est vrai. Mais t'as été plus franche avec lui qu'avec moi. Est-ce que t'as une idée de ce que ça me fait? Je m'en fiche complètement. Elle viendra pas, finissons-en.
Tu vas sentir un léger pincement et une brûlure quand l'anesthésique va commencer à agir. Bien. Maintenant, je vais agiter le cathéter afin de briser les tissus autour du point d'insertion. Il se peut qu'elle ressente un léger tiraillement dans la poitrine. Mais lorsque le tube sera détaché du manchon, je vais le retirer. Et bien sûr, je pourrai réinsérer le cathéter si tu souhaitais poursuivre ton traitement. Tu as le droit de changer d'idée. Non, ça n'arrivera pas. Selon vous? Non, elle ne changera pas d'avis. Alors, très bien. Oh. Tiens ça pour moi. Bonne fille. Voulez-vous me tapoter la croupe? Quoi? Non. Alors ne me parlez pas comme à un cheval. Oui. Bon. Désolé. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Vous savez ce qu'il faut surveiller? Oui, frissons, fièvre, raideur dans le cou, maux de tête, perte d'énergie, saignement. Vous êtes bon? Merci pour votre aide. Il te trouve à son goût? Ça m'étonnerait. Tu lui as fait beaucoup d'effets. Tu devrais l'inviter à sortir un de ces soirs. Tessa? Tessa, attends, je suis là, j'arrive, attends-moi. Oh non, c'est trop tard, je suis partie à temps. Mais la circulation était infernale. Oui, je suis partie à temps, mais j'ai... En voyant, ça fait rien. Tessa! Ça m'est égal. N'agis pas comme ça. Tu t'attendais à quoi exactement? Voudrais-tu me dire en quoi ça te concerne? T'es sérieuse ou c'est une blague? Oui, je suis très sérieuse. Ça suffit! Vous faites pitié. Toi, parce que tu fais de ce cancer une obsession, et toi, parce que t'as même pas la force de te présenter à l'hôpital, et je comprends ça. Aucun de vous deux ne peut me donner ce qui m'est nécessaire. Tout ce que vous faites, c'est me faire perdre mon temps. Tout ce que je dis... Oh non, ce sera pas tout, c'est certain. Tout ce que je dis, c'est... Il va y avoir autre chose. Je dis seulement que t'as pas à rester tout le temps à mes côtés. Tu pourrais aller voir tes amis plus souvent. Ok. Et ça, c'est tout ce que je voulais dire. Je viens de prendre de la drogue. Excellent. Est-ce que t'as rencontré ma mère? Salut. Salut. Seulement des champignons, parce que c'est naturel. Même si c'est pas tout à fait légal. Mon amie avait acheté de la kétamine, mais elle trouvait leur vendeur un peu louche, alors à la place, on a fait du champignon. Magique. À tout à l'heure. Ça s'est bien passé? Je crois que oui. Combien t'en as pris? Pas beaucoup. J'en sais rien, je m'y connais assez peu, je dois dire. Ben, moi non plus. Allons ailleurs pour éviter que t'aies des ennuis. Combien de temps ça prend à faire effet? C'est pas très long.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ok, on peut s'arrêter ici. Il y a personne dans le coin, alors vous pouvez devenir folle. Je veux pas devenir folle. On doit pas devenir folle. Je vais juste monter sur le toit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, descends. Ça va, descends de là. Non. Je t'en prie, descends. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu veux me sauter? Non, seulement te dire, descends de là. Ok, je descends. Merci. Tu gâches mon buzz. Où était ça? Quoi? Faut la chercher. On ne sait pas quelle direction elle a prise. Il faut réussir à la trouver. Elle va revenir, c'est vrai, c'est pas dramatique. On est tout seul ici, il n'y a aucun danger. Oui, il y en a. Pourquoi? Zoé? Je te le dirai pas, je suis pas censée t'en parler. Me parler de quoi? Tessa! 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 Je viens de découvrir quelque chose! Hé, Tessa! Descends, je t'en prie! Je veux pas! Très bien. Attends-moi, je vais monter te chercher! Tu me laisses t'aider. Je vais te dire quelque chose, mais... tu dois me promettre de le dire à personne. Quand je suis ici, je suis pas malade. Je suis plus du tout malade. J'ai juste à rester ici, dans cette forêt. Si je me tiens loin du monde moderne et de tous ces gadgets, je serai plus malade. Et reste avec moi si tu veux. Ce serait chouette. On construirait toutes sortes de choses. Des abris, des pièges. On ferait pousser des légumes. On serait en sécurité. Descends, s'il te plaît. Non! Pourrais-tu... ne rien dire? Tessa? Quoi? Est-ce que je serai encore ton frère quand tu seras morte? Je ne serai pas très loin. Tu vas venir me hanter? Si tu veux pas, je le ferai pas. Ça me ferait peut-être peur. L'infirmière est là. Papa a dit que tu peux descendre quand tu penseras que t'es prête. Vous aimez votre gâteau? Beaucoup, je te remercie, Tessa. Je suis Philippa. T'as pas l'air en très grande forme. Le seriez-vous?
Ne vous sentez pas visé personnellement. Elle a fait la même chose à une autre infirmière la semaine dernière. Je crois qu'elle s'appelait Sean. Fais pas semblant de ne pas te souvenir de son nom. Tu l'as invité à manger avec nous. Elle a dit non. Je vais être à côté. Il fait tout de travers. Et quel effet ça te fait ? Ça me fait rire. Tu sais, il y a des groupes de soutien. Des endroits où des gens dans le même état que toi viennent se rencontrer. J'y suis déjà allée, j'ai rencontré une fille cool du nom d'Angela. Pourquoi t'irais pas lui parler ? Parce qu'elle est morte. Et je ferai plus le même genre d'erreur. C'est fini ? Salut. Salut. T'as pas à me regarder de cette façon-là. Je me meurs, c'est tout. C'est non contagieux. Tu te sens comment aujourd'hui ? Allons à mon tour, d'accord ? Est-ce que tu réponds toujours par une question ? Ça t'ennuie ? Ce serait difficile d'y aller tout de suite. J'ai démonté le moteur pour le nettoyer. Et t'arrives pas à le remonter ? Non, voyons, c'est un jeu d'enfant. J'espère simplement que cette pièce n'est pas importante. Où est-ce que tu m'as dit qu'on allait ? Je t'ai rien dit. Rien. Une longue randonnée à travers champs. Excellent. Parce que mon plus gros problème, c'est que j'ai trop d'énergie à brûler. On arrive. Ça valait le coup, hein ? Oui. Parle-moi de ta situation familiale. Mon père est mort l'an dernier dans un accident. J'étais accepté au collège, mais j'ai dû reporter ça. Tu devrais y aller. C'est un peu comme si j'étais pas sûr d'être prêt de toute façon. As-tu peur ? Ça va et ça vient. Bien des gens pensent que quand on est malade, on n'a plus peur et on est plein de courage. C'est pas vrai. Mais c'est plus comme être pourchassé par un psychopathe qui peut me descendre à tout instant. Il m'arrive parfois de l'oublier pendant des heures. Qu'est-ce qui te fait l'oublier ? Quand j'étais avec toi dans la forêt. J'ai été sans y penser pendant une demi-journée. Regarde-moi. J'y pense pas en ce moment. Pourquoi tu veux pas y aller ? J'aurais pas dû t'en parler. Le génie vient de sortir de la bouteille. C'était la fête de qui ?
J'en suis pas sûr. On t'avait pas invité? C'est pas comme ça que ça marche. Mais tous tes copains y vont? Je pense que oui. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait ça. Ben, moi non plus. Attends ici pendant que je vais chercher quelque chose à boire. Ouais. Où est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, je vais y aller. Salut les gars, ça va? Oh, je me suis trompé. C'est que il ressemble beaucoup à un ami qu'on a connu dans le temps. Ouais. Je suis Tessa, contente de vous voir. Si c'est toi qui as réussi à le faire sortir, je suis content moi aussi. Et le collège? Si vraiment le collège t'intéresse, fais-le. Oui, oui, un jour. C'est ton verre? Ouais, c'est le mien. De temps en temps, c'est bien d'aller y faire un tour. Mais tu voulais pas abuser de leur accueil. Tout le monde semblait content de te voir. Tu devrais y aller plus souvent. Si j'y allais plus souvent, ils seraient moins contents de me voir. Elle t'a fait mal? C'est plutôt moi. Je lui ai fêlé le poing avec ma mâchoire et frappé en plein genou avec mon nez. Tu devrais être plus prudente. Inutile. Tu le sais bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es rendu? Non, pas question, je te raccompagne. T'es sûr? Oui, ça me fait plaisir. Voilà, ça y est. Merci. Vous avez laissé tomber un billet. Quoi? Un billet de 5. Vous l'avez laissé tomber. C'est pas à moi. Je l'ai vu sortir de votre poche. Ah oui. Ouais. Je vous regardais. Alors dans ce cas, merci. Ouais, totalement. On est de vrais criminels. Et quel regard enjôleur tu lui as lancé. Oui, et toi, tu t'es pointé avec une parfaite précision. Et maintenant quoi? On va retirer un peu d'argent et faire la fête. Avec la carte? Oui. C'est quoi le numéro? Quel numéro? T'as pas vu le numéro? Non, j'étais occupée à lui faire les yeux doux. Pendant que je volais sa carte. On est nuls comme criminels. C'est mieux comme ça. Ce gars-là semblait bien. Peut-être qu'on devrait la lui remettre. Comment tu vas faire ça? J'espère que je ne vous dérange pas. Joue le gars cool, mais je sais qu'il est fou de moi. Comment le sais-tu? Parce que c'est un gars. Bon, je te crois sur parole.
Alors pourquoi il m'a pas appelé hier soir? Zoé, il y a quelque chose que je dois te dire. On a encore une chose à faire. Le vol à l'étalage, ça repose sur l'assurance. Tu le prends et tu le mets dans ta poche. On y va. On va entrer séparément. Pourquoi pas ensemble? C'est trop suspect. Vas-y. Ok. Tessa Scott? Non, désolée. Je suis sûre que c'est toi. Quoi, tu te rappelles pas de nous? On était à la même école. Ah oui. T'étais en 11e quand t'es partie, c'est ça? 10e. Comment tu vas? Est-ce que tu suis toujours ce traitement? C'est terminé. Alors tu vas mieux? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Salut, Zoé. Tu l'aides à faire ses emplettes? Bon, on s'en va. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu vois Scott Redmond? Ça te dérange? Tu le connais? Viens, allons-nous-en. Tout le monde le connaît bien. Il est sorti avec ma sœur à peu près une demi-heure. Ah bon? Je vais chercher les faire-part pour mes funérailles. Oui? Oui. Je vais voir ce que les gens vont lire pour m'assurer qu'il n'y a pas ce foutu poème que tout le monde lit. Lâche-moi. C'est des idiotes, Zoé. Elles sont au courant de rien. Je le sais. Faut que j'aille le trouver. Tout de suite? Oui, je suis désolée. Je dois y aller. Assieds-toi. Vide tes poches. Eh bien, voilà des pièces à conviction. Écris ton nom, ton adresse et le numéro de téléphone de tes parents. Appelez pas mon père. À toi de choisir. Ou c'est lui qu'on appelle, ou c'est la police. La police. Ce sera mieux comme ça. J'ai dit au gars à l'extérieur que je m'occuperais de régler ça. Et si tu... Attendez. C'est un port à quatre. Ça donne accès à un cathéter pour des traitements médicaux. Je souffre d'une sévère leucémie lymphoblastique. Je t'en prie, remonte ton t-shirt. Savez-vous ce qu'est une leucémie lymphoblastique? Non, j'ai peur que non. C'est un cancer. Je dois quand même appeler ton père. Et toi? Quelle est ton excuse? Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris un test de grossesse à passer à la maison. C'était sur ta liste? Vol à l'étalage. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Tessa? Qu'est-ce que tu fais? Le plus que je peux, aussi vite que je peux. J'aimerais que t'arrêtes, s'il te plaît. Tu préférerais que je passe le reste de ma vie assise sur le canapé, avec ma tête sur ton épaule? Ouais, c'est vrai. Peux-tu me le reprocher? C'est ce que j'aimerais. Thank you.
Pour moi, c'est essentiel. Ouais, c'est essentiel. J'aime qu'une femme soit forte. T'as toujours aimé qu'on te porte dans ton lit. C'est vrai qu'on m'a toujours porté dans mon lit. Mais ce que j'ai jamais fait, c'est venir à une fête entre copains avec, faut bien le dire, une fille coiffée en gars et même une véritable sorcière. Non, non, c'est pas une sorcière. C'est vrai, c'est des choses qui se font pas, ça, se mettre à se battre et tout casser dans la baraque. Regarde à droite. On le peut, on dirait. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai passé la journée à te suivre. Je viens juste de trouver le courage de tout dire sur moi. Ah oui? Non. Mon père est au magasin d'aliments naturels, il pourrait passer. Je suis contente que tu les revois. Ouais. Toujours un plaisir. Bon. Qui sait, peut-être qu'on se reverra. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Je sais que tu me regardes. Non, pas du tout. Tu mens. Je sais. Tu devrais songer à retourner à l'école. Remettre un peu de normalité dans ta vie. Non, je vais pas y retourner. Être en maladie terminale, ça sert au moins à ça. Je te martyrise, pas vrai? À chaque minute. Fais attention, merde! Pauvre idiot. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Où tu vas? Tessa! Tessa! C'était bon. Se promener à motocyclette. Ça aurait dû être sur ma liste. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais être? Célèbre. Combien célèbre t'aimerais être? Assez pour que les gens du monde entier cessent de faire tout ce qu'ils font. Et viennent en personne me dire adieu quand je mourrai. Heureusement que c'est un souhait raisonnable. Je veux que mon nom soit affiché quelque part, c'est tout. T'inquiète pas, on va pas t'oublier, Tessa. Y a autre chose? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de penser à autre chose. Tu vas pas aller te baigner nu? Mais non. Tu crois que je suis folle? Pas nu. Oh mon Dieu. Tessa! Tessa! Alors, au compte de trois, d'accord? Quoi? Il faut y aller à fond, courir avec détermination. Entendu. Ok. On est fou. On commence à compter. Un. Hein? Deux, trois! Oh, merde! Tu sais que t'es méchante? Est-ce que tu sais que t'es méchante? L'eau est bonne?
Ouais, c'est absolument formidable. Ah oui? Non. Mais allez, fonce, vas-y. Viens, mais de quoi est-ce que t'as peur? De rien. Et ce qui est super, c'est que je me suis toujours demandé si c'était possible de sécher avec ces chaussettes. C'est gentil de faire ça avec moi. J'aurais manqué ça pour rien au monde. Le ciel est plein d'étoiles. Ouais. Regarde ce groupe de cinq qui brille, qui dessine une courbe. Tu les vois? Tu les vois? Ouais. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Continue. Non. Mais quoi? Je suis désolé. Est-ce que je te plais? C'est pas ça. C'est... Je crois que ce sera trop dur. Un de ces jours. Tessa, je t'en prie, t'en vas pas. Tessa! Non, j'ai commis une erreur. Quoi? Quelle erreur? Tu peux rien pour moi. Quand t'étais un petit bébé, moi et ta maman, on allait près de ton lit te voir respirer. On était certain que si on arrêtait de te regarder, t'oublierais de respirer. Et quand les enfants grandissent, on s'inquiète pour d'autres choses. Jamais, jamais ça n'arrête. J'aimerais que tu penses à ça. Tu sais, j'aime beaucoup mieux quand tu m'engueules. Tessa? Tessa? Ça va, chérie? S'il vous plaît. Tiens, chérie. Ça va, ça va. On va tout nettoyer, ça. Je suis désolée. Désolée. Ça va, chérie. Salut, Tessa. Comment te sens-tu? Bien. Je crois que la dignité a une réputation surfaite. On t'a fait passer quelques tests hier soir. J'ai peur que le cancer ne se soit étendu à la moelle épinière. Les choses évoluent plus rapidement qu'on ne le croyait. Tu es beaucoup plus près de la fin. Combien près? Je t'encourage à faire les choses que tu tiens le plus à faire.
Oui, je sais. Le jardin enchanté. Qu'est-ce que tu veux? Une fusée? Oui, oui, une fusée! D'accord. Redis-moi encore pourquoi t'es ici. Ton père a dit qu'il me couperait la tête si je ne venais pas. Tout le monde est prêt? Bouchez vos oreilles, ça va faire du bruit. Oh! Ok. 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 Pas mal. Qu'est-ce que t'as d'autre? Qu'est-ce que vous diriez de la cascade de 20 pétards? Oui, la cascade. Je vais compter. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10. Bonjour, ça va? Bien dormi? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma fille? Assieds-toi. Mange, prends un café. Je vais te présenter quelqu'un, papa. Oh mon Dieu. Voici Adam. Adam? Papa? Enchanté, monsieur. T'as pas à l'appeler, monsieur. Moi, je préférerais. Très bien. Qui veut une rôtie? Tu peux t'en aller. Et manquer le spectacle? Ça va aller, Tessa. Assieds-toi. Oui. C'est un jour terrible pour un père quand sa fille ramène un garçon. J'ai toujours pensé que si je tuais le premier, le monde s'en porterait mieux. Tu vas à l'université? Oui, j'ai été admis. Oui. Et alors, il est arrivé quelque chose. Je sais ce qui est arrivé. J'en suis vraiment désolé. Oui. Et ta maman? Parfois, elle semble bien. Ouais. C'est ce que je croyais pour Tessa.
T'es au courant de sa condition? Oui, elle m'a tout raconté. Oh non. Si elle voulait que tu la trouves séduisante, la seule chose qu'elle ne pouvait faire, c'est de tout te raconter. Quel âge as-tu? Pourquoi? T'es trop jeune pour avoir à prendre soin de quelqu'un. Dans son cas, c'est inutile. Il le faudra. Et de plus en plus. Et mon jeune ami, tu n'es pas compétent pour cette tâche. Fais-nous donc le grand plaisir de disparaître de ce qui lui reste de vie. Comment se fait-il que ton père t'ait prêté sa voiture? Je croyais que tu lui parlais plus. Je savais que j'avais une bonne raison de ne pas lui demander. Merci d'être venue avec moi. Je croyais que ce serait plein de filles avec la nausée et sur le point de vomir. Au moins, Scott paye la consultation. Il va s'en remettre. Non. Jamais. Maintenant, il me déteste encore plus. Et toi? Aujourd'hui, je viens juste te leur parler. Pour prendre un nouveau rendez-vous? Oui. Je veux me faire avorter. C'est clair? Zoé Walker? Le médecin vous attend. Je vais m'en débarrasser. Le trottoir. C'est pas ma faute. La rue devrait être droite. On y est. Tessa, tu sais que j'ai pas le choix. Toi, tu sais pas ce que c'est mauvais le dire. Pourquoi t'es venue si t'es pas d'accord avec moi? C'est pour ça que tu me l'as demandé. Salut. Salut. C'est la première fois que je conduis. La toute première? Eh bien, tu t'en es très bien tiré. C'est vrai? Ouais. Faut faire grincer la transmission. C'est la voiture de mon père. Je lui dois bien ça. Il essaie simplement de te protéger. Tu crois pas que ce navire a assez navigué? Est-ce que je peux t'inviter à sortir? Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas ce qui s'est passé. Un vrai rendez-vous, je crois qu'on devrait s'en offrir un. Ça n'a pas besoin d'être ce soir, mais je t'invite quand tu veux, quand le cœur t'en dit. Fais-moi signe. C'est maintenant ou jamais. T'aurais pu au moins donner un coup de fil. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père et Cal te cherchent partout. Où étais-tu passé? On pourra parler de ça une autre fois. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous. Oui, elle est ici. J'ai appelé ton père et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et qu'il peut... Oh, mon Dieu. Je me dînais, c'est tout. Non, ça sera flotté, ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Tiens, prends une serviette. Assieds-toi. Pince ton nez. Pince ton nez très fort. Oh, oh, tu dois aller à l'hôpital. Ça va arrêter dans une minute. Je vais appeler ton père. Est-ce que je devrais l'appeler? Je sais pas quoi faire, dis-moi quoi faire. Chercher de la glace. Quoi, Tessa? De la glace, ou plutôt un sac de petits pois congelés.
Oui, un sac de petits pois. J'ai trouvé du maïs. Est-ce que du maïs, ça peut aller? Oui. Oh, mon Dieu. Tu dois m'emmener à l'hôpital. Non, non, Tessa, je ne peux pas. Je vais appeler ton père. On n'a pas le temps. Ok, ok. Oui, envoyez une ambulance. En vitesse. Qui ça peut être? Non. Qui est-ce? Réponds pas. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Ne fais pas entrer. J'ai besoin d'aide. Je veux pas qu'il me voie comme ça. Tessa, j'y arriverai pas toute seule. Oui, 25 Preston Place, Brighton. Oui, ils arrivent. Aide-moi à l'amener en bas. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche! Sophia, je t'en prie. Bon, va-t'en. On va se débrouiller. Va-t'en. Vous pouvez tenir ça pour moi? Merci. Elle doit avoir soif. Elle a perdu beaucoup de sang. On ne devrait pas lui donner un peu d'eau. Est-ce Attendons l'avis du médecin. Très bien. Par ici. C'est une jeune fille de 17 ans. Elle a la leucémie. Bon. Des signes de thrombocytopénie avant aujourd'hui? Ça va, je m'en occupe. Madame. C'est à moi? Quoi? Elle s'est plainte de maux de tête. Avez-vous noté des contusions sur sa peau? J'ai pas regardé, pour tout vous dire. À quand remonte sa dernière transfusion de plaquettes? Je suis pas sûre. Je vais essayer de m'enseigner. Est-ce qu'elle a récemment pris de l'aspirine? Je l'ignore. Je suis désolée, je ne connais la réponse à aucune de vos questions. La dernière transfusion de plaquettes, c'était le 18 mai. Merci, mais ne parle pas. Madame, venez ici et tenez la main de votre fille. Écoute-moi. Serre la main de ta mère une fois si c'est oui, deux fois si c'est non. Compris? Ne parle pas. Oui. Des signes de thrombocytopénie? Maux de tête? Contusion? Non. Des médicaments comme aspirine, Bongela, T-gel, anti-inflammatoire? Non, non, rien de tout ça. Bien. J'ai bien peur qu'on doive cautériser ton nez. On t'a déjà fait une cautérisation? Oui. Très bien. On va vérifier ton taux de plaquettes et on va t'injecter 2 ou 3 unités. Une dure nuit, mais demain tu rentreras chez toi. On a fini par y arriver. C'était un saignement postérieur, le plus grave. Ils ont dû arrêter l'hémorragie avec des vasoconstricteurs. Oui, des vasoconstricteurs, c'est ça. Et avant de lui en transfuser 2 unités, ils ont vérifié son taux de plaquettes. Et? Stable. T'as bien fait ça. Je vais rester, tu peux rentrer si tu veux. Est-ce que je peux rester? Oui. Comment tu te sens? J'ai sommeil. Merci d'avoir été là. Ça a été tout un choc.
Pour ton copain aussi. C'est compréhensible. Il est très appétissant, ce garçon. Ouais, c'est une façon de le décrire. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Quand il est pas là, je pense que je l'ai inventé. Est-ce qu'il est venu à l'hôpital ou a téléphoné? Non. Je l'ai peut-être inventé après tout. Bon sang. Quoi? Regarde un peu là-haut. C'est bizarre. Ton nom est partout, Tessa. Bon anniversaire. Tu peux jongler? Oui, un peu. Je vais t'apprendre, si tu veux. Papa, il peut rester. Manger avec nous? Non. Maman? Moi, j'habite pas ici. Merci. Mais invite-le. Oh, c'est une conspiration. Et maintenant, le spectacle de magie. Prends une carte. 5 de cœur. Non. Un jour, je vais deviner la bonne. Et vous allez dire, merde, il est bon. Oh, joli, il a le droit de dire ça. Oh, merde, c'est pas grave. Ça va. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le lapin arrive dans le chapeau. J'ai pas de lapin. Mais t'as un chapeau. Oui, j'ai un chapeau. Je te veux, je te veux. Voilà une ligne de plus à rayer sur ma liste. Ta liste est encore longue. Les choses que je croyais importantes maintenant ne le sont plus. Et toi? Il y en a qui voudraient ajouter? Non, ça va. Moi, il y a des choses auxquelles j'ai... disons... choisi de renoncer. Mais... je suis différent de toi. Ouais. Adam. Quoi? Retourne dans la vie. Alors pense-y. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu souhaites? En cet instant? Oui. Lâche ma main! Je vais tomber. Ouais, mais je serai très loin. Allez, traverse la patinoire. T'as juste à te pencher et pousser. Je suis sûre que tu peux. Se pencher et pousser, c'est clair. C'est ça! Tessa Scott est une grande patineuse! Fonce dans la bombe! Calme! Fonce dans la bombe! Salut. Salut. J'ai trouvé que t'étais bonne. Je tombais sans arrêt. J'ai mal aux fesses. Mets un peu de glace dessus. On va garder le bébé. Ah ouais? Ouais. Oui. C'est une fille. Je vais avoir une fille.
Et je vais l'appeler Lorraine. C'est ce que je vais faire. Je veux être là. Si tu veux pas que je sois à l'accouchement, j'attendrai dehors et je viendrai te voir après. Je veux être la première personne au monde à tenir ta fille dans mes bras. C'est seulement dans 5 mois. J'aurai une bonne raison d'attendre. Il y en a qui trouvent ce spectacle magnifique. Mais moi, je pense seulement que ça tue mes pauvres légumes. Qu'est-ce que tu as ? C'est insuffisant. Nous, ça. Comment ça ? Reste avec moi. Reste la nuit. Que veux-tu de moi, Tessa ? Du temps de nuit. Dormir et se réveiller ensemble. Petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je vais être avec toi dans le noir. Que tu m'enlaces. Et que tu ne cesses pas de m'aimer. Que tu sois là quand j'ai peur pour me rassurer. M'escorter vers mon dernier voyage. Et si j'y arrive pas ? Tout à fait impossible. Un ange de neige. Non. Non, non et non. Papa. C'est sur ta liste qu'un garçon passe la nuit ici ? Pas question, non. Tu sais que c'est difficile de te demander ça. Eh bien, c'est très facile pour moi de te répondre. Je croyais que tu voulais qu'on parle. Pas de ça, je ne te le permets pas, discussion terminée. Pas fort comme argument. Je ne discute pas, je suis ton père. Plus pour longtemps. T'es prêt ? C'est trop loin. Et lance-toi ! Non, c'est bien trop loin. Alors, bonne nuit ? Non, attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Je me prépare mentalement. Est-ce que ça va être long ? J'ai envie d'une tasse de thé. Oh, mon Dieu. Tout va bien ? Non. Je me suis cassé le bras. Les deux bras. Je me suis tout cassé. Salut. Salut. Aïe. Mais t'es là. Il est là, pas vrai ? Oui. Je t'ai dit que je voulais pas. Je le sais. Tu sais pourquoi ? Je crois. C'est sûr qu'il est gentil. Mais il est trop jeune pour que tu comptes sur lui.
Il pourrait te lâcher. Je suis sûre que non. Et si ça arrivait? Toi, tu serais encore là. Comme tu l'as toujours été. Cette tasse, on sait ce que c'est bon. Les oignons sont sûrement frits dans l'huile capillaire. Parce que nous le valons bien. J'aimerais pouvoir faire ça. Tu peux pas? Non. Non, après deux ricochets, elle coule. Je vais te montrer. Je vais ajouter ça à ma nouvelle liste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien trop de choses. Le printemps. Des jonquilles et des tulipes. Un long voyage en train. Un pélican. Une nuit dans une auberge. Un conte conjoint. T'écouter ronfler pendant des années. Je ronfle? Est-ce que je ronfle? Ça viendra avec le temps. Aller voir nos parents avec notre enfant qui est un génie. En fait, avec nos trois enfants. On aura trois enfants. Chester, Merlin et Daisy. Oh, grand Dieu. Être avec toi. Être avec toi. Être avec toi. Être avec toi et rien d'autre. Alors, est-ce que la magie de l'amour opère encore? C'est ce qu'on va voir. Je devrais le recommander à tous mes patients. Ouais, j'ai reçu un texto. Cal a maintenant un portable. Ce n'est plus un gamin. C'est la cinquième qui a gagné. Il y a eu un combat aquatique contre la septième et on a gagné. Cal, dis à Philippa ce que t'as fait récemment. Oh ouais, des formules magiques pour éloigner la mort. J'ai mis de l'ail au-dessus de toutes les portes et aux quatre coins du lit de Tessa. C'est peut-être un peu simpliste, mais je pense que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Où est ton père? Il parle à ma mère. Qu'est-ce qu'il lui dit? Attendons qu'il vienne nous rejoindre. Tu veux? C'est moi qui suis malade. C'est pas eux. Dites-moi tout. Ta dernière numération était très basse. Ton système immunitaire s'effondre. Le cancer s'est répandu partout. Combien de temps il me reste à vivre? Je ne veux pas faire ce genre de pronostic. J'aimerais juste le savoir. Ma meilleure amie accouche en avril. Pourrais-je voir son bébé? Non. Madame est là? Oh non, je suis désolée. Il ne sera pas de retour avant ce soir. Ce sera trop tard, où est-il? Il est parti en train pour la journée, porte ouverte. Porte ouverte? Oui, à l'université.
J'étais si excitée quand il a dit qu'il y rentrerait en septembre. À un certain moment, j'ai cru qu'il attendrait encore un an. Personne ne veut être le plus âgé de sa classe, non? Non. Non, personne. Tessa, es-tu là? Tessa, ma chérie. Non. T'es un monstre. Tu veux absolument rien me laisser. Hein? Alors, elle était là. La liste. Des choses que tu voulais faire. Pourquoi tu me l'as pas montré? Si tu l'avais fait, j'aurais pu t'aider à en réaliser quelques-unes. Je voulais seulement t'aider. Et j'y suis pas arrivé. Je peux pas t'aider. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas que tu t'en ailles. Je voudrais pas m'en remettre. Emmène-moi avec toi, je t'en prie. Je veux pas que tu t'en ailles, mon bébé. Je veux pas que tu t'en ailles. T'es mon bébé. T'es mon bébé à moi. Tessa, ça fait des heures que je te cherche. T'es ici depuis longtemps? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu sais que tu peux pas autant marcher, alors laisse-moi te raccompagner. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que ça va être moi. Oui, en fin de compte, ce sera moi qui vais être seule. Comment peux-tu oser t'apitoyer sur ton sort parce que tu vas te retrouver tout seul? Ose jamais redire ça! C'est toi qui m'as conseillé de le faire. Tu voulais que je le fasse, et c'est même toi qui m'as poussé à continuer. Et... je t'en prie, souviens-toi de ce que tu m'as dit, car si t'avais pas été là, jamais j'aurais pu me ressaisir ou encore faire autre chose que ce maudit jardin. Ça va arriver. Je sais. Bientôt. Tu comprends? Comment c'est l'université? Beaucoup de grosses bâtisses. Facile de se perdre.
On va se débrouiller. Toi et moi? Oui. Je vais revenir en quelqu'un d'autre. Ce sera moi, la fille à la drôle de chevelure qui te demandera en quoi t'étudies. Et je tomberai immédiatement amoureux de toi. Encore. Dis-moi ce qui va arriver. Eh bien, t'auras plus tellement d'appétit. Tu auras soif. Et parfois, tu te sentiras fiévreuse. Tu voudras dormir beaucoup. Tu auras très peu d'énergie. Ou même pas du tout. Est-ce que je souffrirai ? Non. La morphine soulagera complètement la douleur. Elle te fera faire de merveilleux rêves. Salut. Je pense sans arrêt que j'ai vu ta petite fille. Comment elle est? Une beauté. Je pense qu'il n'y a personne de plus malchanceux que toi. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais peur. Mais je pense aussi que peu importe ta manière de faire face à ces derniers jours, ça va être fait exactement comme ça doit être fait. J'aime pas ça quand tu dis jour. Bientôt, tu vas commencer à sombrer peu à peu dans l'inconscience. Parfois, tu ne pourras pas répondre, mais tu sentiras la présence des gens près de toi. Tu les entendras parler. Merci de rester auprès d'elle. Je l'aime. Et arrivera le moment où tu partiras. As-tu d'autres questions ? Non. T'es réveillée? Je vais me chercher une sucette glacée. Pourquoi t'as pas sonné la clochette? Tu cherches encore un traitement. Plutôt un antidouleur. Je peux utiliser l'ordinateur une seconde? Oui, bien sûr. Non, reste là.
Tes cheveux ont repoussé. Pas assez vite. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Un meilleur site pour toi. Recherche d'emploi. Tu dois recommencer à y penser. Pas encore, non. Faut que tu te refasses une vie. Jamais j'ai eu de vie. J'étais comptable. Maintenant, tu peux tout faire. Je vais le dire à Tessa et à papa. Et ensuite à tous ceux que je connais. Pas parce que c'est pas vrai. Maman trouve Monsieur Wilmot à son non, goût. Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, oui, tu l'as dit. Maman trouve Monsieur Wilmot à son goût. Monsieur Wilmot plaît à toutes les mamans. Et à certains pères aussi. Salut, comment te sens-tu? Où est-ce que t'étais? Je suis allée à la rencontre parents-professeurs. Sans blague. Oui. Et ça m'a ennuyée profondément. Par chance, il y avait Monsieur Wilmot. Il a dit que j'étais un bon élève, alors maman m'a acheté ça. On le fait tourner et ça fait de la musique. Oui, mais pas dans la maison. Comment il se fait que t'es levée? T'as transpiré. Je vais aller changer tes draps. Laisse, je vais y aller. Je sais faire un lit. Je suis sûre qu'il y aurait des plis et qu'il serait très inconfortable. Mais non, c'est pas vrai. Bon, je vais aller le faire tourner dehors. Viens l'écouter, Tessa. Ça fait de la musique. Attends-moi. Je te rejoins dans une seconde. Adam. Oui, ma belle. Oh, tiens-moi. Oui, je te tiens. Je suis là. Je suis en train de tomber. Non, tu tombes pas. Non, tu tombes pas. Non. Des moments. Notre vie est une suite de moments. Et chacun nous entraîne vers la fin. Laissez-les passer. Laissez-les tous passer. Dis-lui au revoir, Carl. Non. Je t'en prie, fais-le, c'est important. Ça pourrait la faire mourir. Rien de ce que tu pourrais lui dire ne va la faire mourir, d'accord? Nous sommes tous là, Tessa. Et on t'aime tous tellement. T'as été formidable. Tu peux partir maintenant. Tu peux partir. Au revoir, Tessa. Reviens me hanter si tu veux. Ça ne dérange pas du tout. Notre vie est une suite de moments. Laissez-les passer.
like a last breath you would breathe. You were like home to me. I don't recognize the street. Please don't close your eyes. Don't know where to look without them. Outside the car.